nous sommes le lendemain, hein, dans cette fameuse salle de bain. Il y a eu pas mal de travail de fait déjà en termes de préparation, hein. Tout a été déposé, ratissé une fois, et en fait une fois va suffire amplement. J'ai tout ratissé à la PF3 pour rappel. Là, je viens de poser le primaire d'accrochage ici, dans cette salle de bain. J'ai déterminé les hauteurs sur lesquelles je devais poser mon carrelage. Et voilà, bon, du coup, le primaire est passé. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Et bah, c'est que je vais déjà enlever tous les petits cartons, vous voyez, qu'il peut y avoir. Et surtout dans les angles, parce que là, je vais faire l'imperméabilisation de mes murs. Donc les angles, je vais poser mes bandes d'angles. Il faut que ce soit bien fait, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, ça va un petit peu me gêner, ça va pas faire un angle bien propre, il va falloir que je le fasse sauter ici. Je le ferai avec un petit burin. Regardez, voilà. Là. Voilà. Donc ça, au moins, j'ai des murs qui seront sans caton, parce qu'après, lorsqu'on pose avec la colle, ce sera embêtant de devoir revenir dessus à chaque fois. Voilà. Alors du coup, ce que j'ai fait ici, vous voyez, j'ai posé mes carreaux pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait, parce qu'ici il y avait un ventre, hein, comme je vous le disais, tout ça, ça a été rattrapé avec la PF ici. Il se peut qu'il y ait encore 2-3 petites imperfections, on les voit ici, vous voyez, j'ai un tout petit décalage encore, mais c'est peanuts, hein, c'est vraiment pas grand chose, ça doit être même pas un millimètre. Donc là le joint il est large, hein, je m'en fiche, c'est pas le joint que je voulais... Je vais essayer de vous mettre un peu. Voilà. Bon, là, il est presque comme s'il était posé à la colle. Encore un petit peu. Voilà. Je sens un petit peu le décalage ici. Vous voyez, on appelle ça un crochet. Ça, écoutez, ça va être rattrapé avec mes auto-nivelants. Donc, je vais bien faire mon double encollage peigné à 10. Double encoller mes carreaux. Et vous voyez, cette petite imperfection qui est là, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Ça sera rattrapé avec l'auto-nivelant. Je vais en profiter juste après pour commencer à les préparer, mes auto-nivelants. Je vous explique pourquoi. Bah parce que je vais devoir poser un petit sabot sur toutes les cloches bleues, en fait. Parce que je sais que ceux-ci sont un petit peu fragiles sur les arêtes. Donc, pour pas les abîmer lorsque je vais déposer mes auto-nivelants, je vais poser ce petit cabochon. Écoutez, là, je vais faire l'étanchéité, enfin l'imperméabilisation. Je vais passer une première passe dans un sens. On va laisser sécher, j'ai mon petit radiateur qui est là pour booster un peu l'histoire. Et on va poser ensuite la deuxième passe avec la bande d'angle. Et puis ensuite, ce sera agréage au sol et puis on aura fini la journée. Mais prenez votre temps sur les préparations et laissez bien le séchage faire son action. Ça fait bien dans ce sens-là. Vous voyez, les murs, ils sont déjà bien, hein. Comparé à ce qu'on avait avant, on est pas mal. Voilà. Voilà, celle-ci c'est fait. Maintenant l'autre côté. Pareil, bien grasse. Bien protéger les tuyaux aussi. Sinon le plombier va vraiment vous en vouloir. Bon, la bande d'armature, la voilà, elle fait étanchéité, elle protège les angles et les jonctions contre les infiltrations d'eau, neuf et rénovation, facile à appliquer, enfin bon. Voilà, ça c'est ce qu'on pose dans les angles.
en le rentrant, en le sortant, et tout ce qui est jonction de plaques aussi, plaques Védi, plaques Lux, Jacon, etc. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on utilise. Bah là on va juste la poser dans l'angle, hein, et puis là c'est l'autre passe croisé après. Bon, ça se coupe au cutter, hein, c'est relativement facile à couper. On en fait de la préparation hein, sur cette salle de bain, mais bon, la préparation, c'est des fois, c'est un petit peu s'embêter pour moins s'embêter après sur la pose. J'ai envie de dire, ce que les gens voient en dernier recours, c'est la pose. Donc, vaut mieux prendre son temps sur la préparation, respecter les temps de séchage. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire que moi, j'ai rattrapé au sol avec un petit peu de colle rapide ici. Dans l'absolu, j'aurais pu faire l'agréage du sol 2-3 heures après. Il y avait un petit peu plus de charge. J'ai préféré attendre pour faire l'agréage ce matin. Donc en fait, en termes de timing ici, ça va faire donc 3 jours pleins. Mais en fait, j'aurais fait des journées où je finis, je sais pas, 14-15 heures quoi, à peu près. Donc c'est pas des journées où je commence très tôt, je finis très tard. Ben, ça fait partie de la préparation, c'est comme ça. Allez, donc j'installe la bande parce que je vous raconte ma vie et en fait, il faut que j'avance là. Alors, je vous rappelle que vous avez le code promo CAROTUTO7 valable sur tout un ensemble de produits sélectionnés. Un ensemble de produits pour réussir votre rénovation à des prix imbattables. Du carrelage rectif, les imitations barres, du 60-120, du 120-120. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous aurez 7% de réduction. Bien évidemment, vous avez aussi le code promo CAROTUTO valable sur le site ecarleur.com et sur la boutique carotuto.fr. Je vous mets le lien en description, vous avez 10% de réduction sur vos commandes. Surtout pas faire sur épaisseur parce que là on est dans les angles. Donc si vous chargez trop, ça va vraiment vous porter à défaut lorsque vous allez vouloir poser aussi votre carrelage. Et puis si on s'est embêté avant à faire un angle bien propre, c'est pas pour le déformer par la suite avec une histoire de bande d'étanchéité. Donc je me sers bien, vous voyez, de l'angle de ma spatule pour voilà chasser l'excédent. Comme ça, on sera tout content de poser là-dessus lundi. Voilà, là on est bon. Bon, ben là, c'est l'autre passe croisée. Hein. Donc là, maintenant, celle-ci, je la fais vraiment dans ce sens-là. Je la fais horizontale. C'est comme ça, c'est des passes croisées. Je charge au milieu et je tire.
Bon, là maintenant, c'est l'heure du ragréage. Et alors, j'ai une petite méthode pour vous servir un petit peu de repère. Parce que là, quand même, le sol est assez chaotique. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser le laser au sol, vous voyez, comme ça. Et ensuite, ça vous sert de guide. Vous voyez, donc là, toute la pièce, je peux avoir le guide, hein, voilà. Et ensuite, je vais poser mon mètre. Ce qui fait que si je pose mon mètre à des endroits clés de la pièce, vous voyez, j'ai un repère. Donc là, par exemple, je suis à 4,5, ici, sur le mètre. Si je vais au fond, je suis à 5,5 au fond. Donc ça veut dire que j'ai un centimètre de moins, vous voyez. Et il faut que je charge, il va falloir que je charge pas mal ici pour arriver au même niveau que là-bas. Et ici, en fait, vous voyez, c'est les marques du carreau, là, c'était une pose scellée. Donc moi, en fait, je vais arriver ici avec le ragréage. Je vais passer le ragréage dessus, mais ça va être à zéro, vous voyez, ça va juste être ratissé pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur dessus. Et en fait, c'est vraiment ça qui va me guider sur tout le reste. Voilà, donc j'étais à 4,5 ici. Bah, je sais que pour avoir le même niveau au sol de ce point là-bas jusqu'à celui-ci, bah, il faut que je rajoute ici pratiquement 1 cm de charge. Et ça doit être pareil à peu près ici. Ah, moins ici, c'est surtout là-bas au fond. C'est surtout là-bas au fond en fait. Et ici, je peux pratiquement être serein. Soit ici, je serai bien. C'est là-bas qu'il faut que je rajoute tout le long. Voilà. Ouais, non, mais là, on est pas mal. Voilà, il y a 5,5 litres. J'ai versé la moitié du seau. Je verse la totalité du ragréage. Je finis mon eau et je malaxe. Bon, comme d'habitude, hein, je pars du fond de la pièce, mais je sais que c'est là-bas qu'il faut que je charge. On est pas mal là. Alors là, je suis pas mal du tout ici. Parfait. Parfait, parfait. Peine pour guider, on est pas mal, hein. Un petit coup de débuleur. Ici, j'ai très très peu d'épaisseur. Voilà, c'était surtout cette zone là-bas qui était rattrapée. Ici, eh ben, je vais rester comme ça. Parce qu'en fait, ici, ça monte. D'accord. Et ce serait dommage d'enlever le carrelage, de piquer pour arriver à une hauteur trop haute avec le carrelage fini en rajoutant du ragréage. Donc ici, vous voyez, je pense que je vais... Enfin, lundi, je vais attaquer, je vais faire mes faïences. Et fin de journée, peut-être que je ratisserai ici à la colle, à carrelage. Comme ça, le lendemain, je pourrais finir mes faïences et poser le sol. Et le lendemain, après, je ferai tous les soubassements pour arriver avec mes faïences qui seront sur le carreau de sol. C'est toujours plus joli comme ça. Enfin, moi, je trouve perso, je préfère poser mon sol, laisser le rendu bas et poser la faïence par-dessus. Bon, après, c'est une question de point, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, où ils posent les faïences et puis après, ils viennent avec le carrelage contre. Moi, je suis...
Moi je trouve que c'est dommage parce que le fait de poser son carrelage par-dessus celui du bas, eh ben ça, déjà on se prend un petit peu moins, on s'embête un petit peu moins avec, au niveau des coupes du sol, puisqu'on a plus de marge avec la faïence qui arrive par-dessus. Et puis justement quand vous posez vos faïences, vous avez 2-3 imperfections au niveau du mur, ça peut arriver, bah, ça oblige à vraiment tout lire avec le carrelage du sol et par moments bah, ça fait pas très joli. Voilà. Donc là, leur agrège, on va bien le laisser sécher. Et je me suis trouvé une occupation, comme ça je gagnerai du temps lundi. J'arrive, hein.